Eh bien bonjour tout le monde, c'est Tyrone et on se retrouve aujourd'hui pour notre 15e épisode consacré à Wildstar. Alors on se retrouve en fait devant un panneau, pour la simple et bonne raison que j'ai voulu m'avancer pour gagner du temps et commencer directement l'enregistrement près d'une zone de quête. Et en fait d'arriver ici, voilà, ici au croisement, j'hésitais à aller en bas ou aller au-dessus. Je me suis dit que ça devait se faire par tranche, et que donc on allait faire la tranche, enfin plutôt faire le morceau ici au-dessus. Et donc on va partir à gauche. Je suis pas sûr qu'il y ait une réelle différence, mais bon, dans le doute on va passer par ici. Parce qu'à première vue il y avait quand même une très grosse zone de quête là. Alors ici on a le capitaine Milo. Alors lui je... J'ai pas encore très bien compris ce que c'est son truc exactement, parce que j'ai eu la même mission sur mon avec mon main. Et en fait j'ai pas vraiment compris, parce que quand on rentre dedans, on arrive dans une espèce d'instance, mais on se retrouve tout seul, avec pas mal de mobs, et quand on meurt, on a le choix de soit retourner à l'entrée du truc, soit soit quitter. Donc c'est vraiment comme un donjon. Donc, soit c'est un donjon, mais on peut y rentrer comme ça, enfin, ça se présente vraiment comme un donjon, quoi, voilà. Et quand on voit le petit symbole, à mon avis, oui. Ah, je sais pas, je verrai bien. J'ai toujours pris la quête. Si c'est un donjon, au moins comme ça, j'aurais déjà la quête pour quand j'y rentrerai. Alors, par contre, elles sont où mes quêtes, moi? Ah, elles sont ici en bas, ok. Hop, désolé, je sais pas que ça va foutre. Hop, ça va piquer. Bon, pas tant que ça. Alors, un truc à la fois. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu dois ouvrir un fragment d'artefact Zeldan au site de fouille, mais l'endroit désormais trop dangereux pour chercher les autres. Pourrais-tu m'aider? Ce fragment est enterré près d'un terrier de Canimide au sud de la mine. Les scientifiques de la SIC travaillent au nord du site de fouille et se prendre une caisse. Ok. Bon, on essaiera de s'en souvenir. Ça roule, camarade? Ah oui, on a fait des quêtes, il doit y en avoir quelques-unes ici. Alors j'espère que tu es prêt au combat, là ici il faut un sacré bordel, là blablabla, ok. Peut-être réussir à aller jusqu'au bout. Ok, donc on doit juste dégommer des bottes. J'ai besoin de plus de mercenaires sur le terrain. Ok, donc on doit définir le niveau d'atterrissage pour des renforts. Cette nouvelle annonce rien de bon. Alors, une fois que des capsules de largage a suivi des tirs de l'ordinateur pendant sa descente, il a des déprimes un peu partout. Veuillez aider les survivants. Ok. Merci. T'as toute ma gratitude. Tant que j'y suis, je vais prendre le terminal. Rappelle-toi, on n'est jamais mieux que chez soi. Surtout par rapport à ici. Ouais, vraiment, c'est le genre d'humour débile que j'adore. Alors. Il est bizarre ce gros. Ah ok, c'est la tourelle qui tirait. Alors, c'est quoi tous ces points en fait? Capsule de largage écrasé, d'accord, je suis au devant. Ok, bah écoutez, on va... Je sais pas trop par quoi commencer. Ah oui, ok, c'est capsule de largage. Je sais pas si c'est... C'est quoi ce truc? Ah là, gardien Canigroc. Oh, mais ça picote en fait, hein. Ah, mais... Ah, merde. Je faisais pas gaffe à ma vie, quoi. Mais j'ai pas regardé leur niveau, ils sont niveau combien? Niveau 12? Bah non, y'a aucune raison. Que le mal ne meurt jamais. Ça en dit long sur ta personnalité, tu crois pas? Ah, pas mal, je sais pas si vous avez fait gaffe à la voix qui parle en fait quand on ressuscite. C'est quoi déjà qu'il disait? On dit que le mal ne meurt jamais, ça en dit beaucoup sur ta nature. C'est pas faux. Bon, ceci, on va essayer d'éviter de mourir. D'une pierre deux coups. En fait, il faudrait que je rebaigne ce sort sur le sort de heal, je l'ai déplacé. Mais du coup,
Par là, tu me dis, toi. Ok. Mais du coup, je sais plus le taper avec mon clavier, donc c'est un peu emmerdant quand même. D'ailleurs, sur quel touche est-ce qu'on pourrait le bind celui-là? Ça peut être intéressant que je bind ces deux-là. On va dire que celui-ci, je le bind là. Et que celui-là, je le bind là. Voilà. Ça devrait théoriquement être bon. Voilà, juste que j'oublie pas où je les ai bindés. Et ça, je me connais, c'est tout à fait dans mes cordes. Alors, première, il faut monter tout au-dessus. On va aller voir ce qui s'y passe. Alors, c'est tout au-dessus ou... Ah non, c'est ici, ouais, c'est ce truc-là. Cette de pioche t'a alerté tous les tas de rouilles ambulant du coin, défend la zone, ok. Voilà, ça va. Le heal est bien à sa place, donc ça c'est nickel. Allez, suivant. Un par un quand même, ce serait un peu plus ordonné et un peu plus propre. Allez hop, suivant. Ouh, c'est quoi ce gros lourd? Oh, mais ça va pas se passer comme ça, tu sais. Début du défi. Détruire les protecteurs. Ah, c'est ça, c'en est un aussi. Écoutez, on va déjà l'aggro alors, on va tant qu'à faire. En espérant qu'il y en ait deux qui pop avec l'event. Ouais, il y en a deux qui pop, c'est nickel ça. Oh, prends sa picote, ça picote hein. D'une guerre de coups. Allez, meurs toi. Allez, il en reste plus qu'un. D'une guerre de coups. Hop, on va profiter pour ces heals. Celui-là un maximum. Il y en a encore? Ouais, encore une veille. C'est quoi ce machin? Scientifique augmenté. Merde, mauvaise touche. Ah bah non, mais je suis bête en fait, j'ai bindé mes touches n'importe comment. Maintenant que le mercenaire est arrivé, on va pouvoir sécuriser la zone, beau travail. Là, ok. Je t'avais peut-être sous-estimé. Alors, ça c'est bon. Écoutez, c'est quoi que je dois faire des... Oh non, mais c'est ouf. Ce défi-là, il est horrible. J'en vois même pas moi des mobs qui me demandent de tuer. Début du défi. Encore un autre défi, mais sérieux. Et c'est quoi l'autre défi? Récupérer les débris Eldan auprès du site, ok. Là c'est déjà plus simple. Enfin, plus simple. Tout est relatif évidemment. Allez, meurs. Voilà.
Alors on va récupérer la pièce. Ouais, pas énormément en plus des pièces. Hein. Ah merde. À chaque fois j'oublie qu'il faut appuyer. T'as un peu de temps. Ok, alors qu'est-ce qui serait intéressant? Ici du mojo. Mojo et de l'esquive. Ouais, mais on va dire que c'est ça. Ouais, ouais, c'est en combat, je peux pas, ce qui est logique. Hop. Ah, là, pas encore des pièces. Décidément, non, ça court vraiment pas les rues, toutes ces pièces. Oh, je l'ai pas. Légende d'ici. Félicitations, j'ai reçu l'accord des ressources humaines. Au travail. Ah ok, je vais me faire spam de la capitale. Félicitations, j'ai reçu l'accord des ressources humaines. Au travail. Ok, on verra plus tard ce qu'il nous voulait. Bon, au moins celui-là j'ai réussi à passer bronze. Par contre celui-là j'arriverai même pas à passer bronze. Bon, c'est pas grave, tant pis. C'est pas pour un que je ne fais pas une fois. Détruire les bottes. Je fais que ça, on va détruire les bottes. Hein. Donne-moi des récompenses. Donne-moi des trucs d'artisanat, voilà. La meilleure attaque. Ce que je comprends pas, c'est que des bottes, j'arrête pas d'en tuer en boucle. Je t'en détruire combien quoi? Ouais, 70%. 76%. C'est méga lent quoi. Ah, cela c'est bon aussi, donc on va faire cela. Qu'est-ce qui m'a apporté d'ailleurs mon niveau? Teinture d'objet, un pansement de costume, un point de rang, la MP, ça d'ailleurs faut que je vous montre. Carte du monde, qui fait un placement épaulière, et alors hébergement, il faudrait que j'aille prendre mon hébergement. En fait, l'hébergement influe sur le repos d'XP que vous avez. Si vous, quand vous vous déconnectez, si vous êtes dans votre maison, enfin sur votre terrain, quoi, vous recevez un boost de repos. Donc rien que pour ça, c'est quand même intéressant d'avoir la maison, même s'il n'y a pas grand chose dessus, au moins on aura le boost. D'une guerre de coups. Allez, il en faut encore combien? Je vais le tuer, non? Ah ouais, non, ok. Si je tue les petits, ça marche aussi bien, donc on va tuer les petits. Alors, où est-ce qu'il y en a encore? Là. Dans ceux-là, non. On va plutôt se faire ces deux-là. J'espère que je suis assez long en portée, là. Ouais, c'est bon. Voilà, nickel. Camarade. Et maintenant, qu'est-ce que je fais hein? Quelle nouvelle? Il faut perturber le fonctionnement des centrales énergétiques autour des annihilateurs. Pour ça, tu dois sauter dans les noyaux. Ok. Résous-moi ce machin coûte que coûte. Ah, donc les noyaux, c'est cela, je suppose. Bon, on va essayer de courir jusque-là sans aggro toute la map. Ok, faut simplement faire ça. Bon, ça va, c'est dans mes cordes. D'une guerre de coups. Ah bah écoutez, quand il y a de l'XP gratuite, je la prends toujours.
Alors, en infocube. L'importance de notre travail requiert une sécurité à sa mesure. Et cet annihilateur est l'une des puissantes facettes d'un système quasi parfait. Nous devons nous assurer qu'aucune menace ne mette en péril la réussite du projet, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. Je suis curieux de savoir en fait si ça nous empêche de tomber ou pas. Ouais, ok, c'est un champ énergétique, on peut passer à travers. Tout au moins à savoir. On va éviter d'aggro celui-là. Et voilà le dernier effet. Parle et je t'écouterai. Alors, l'animateur est toujours opérationnel, en effet. La bonne nouvelle, cela dit, c'est que tu as l'air d'être encore en un seul morceau, pas semblé. J'ai bien l'intention d'en voir le bout. C'est sympa de donner des nouvelles. Alors, il nous faut un bouclier capable de résister aux assauts de l'annihilateur. On a bien un générateur de bouclier tout près d'ici, mais rien pour l'alimenter. Tu vas nous trouver de quoi le faire marcher. Bah, allons-y. Voilà ce que je voulais entendre. Et à première vue, il y a une quête là-bas, donc on va aller voir ce qu'il en est. À moins que ce soit sur le mur. Si c'est sur le mur, là, je peux rien y faire. Ah ok, à mon avis c'est dans le trou. Par contre, est-ce que ce serait pas ma chasse de trésor? Non, la chasse de trésor a l'air d'être ici, donc on va voir si on peut rentrer dans ce trou. Oh merde. Bah tant pis, on va faire avec ce qu'on a sous la main. Hein. Bon bah non, je croyais qu'on pouvait rentrer dedans, mais je sais pas où se trouve cette quête. Cadavre de mercenaire, il n'y a pas de cadavre de mercenaire là quand même. Non, bon écoutez, c'est pas grave. Et ça, à mon avis, c'est encore un défi que je vais rater parce que des Bah les méchants, là j'en vois pas. À moins qu'il y en ait ici. Ah là, il y en a un Kenny Rock. Je sais pas s'il faut que j'en tue beaucoup pour le défi. Il me stun en plus. Ok, du minerai en voiture, en voilà. C'est pas ça qui m'intéresse. Les gars, les batteries, il y en a une dans notre camp. Là. Je vais la prendre quand même. C'est quoi ce bot? Il vient d'où? Alors c'est vrai que c'est la première fois depuis que j'enregistre que je finirai pas un défi au complet, mais... Les mobs ici sont vachement trop écartés pour réussir les défis. Du coup on prend le défi à un bout de la map alors qu'ils se trouvent tous à l'autre bout. Ça en est une? Ça va, ça en est une. Alors est-ce que ce sera bon ou est-ce qu'il m'en faudra encore une? C'est bon. Hop, je dois aller voir au moins. Je vais voir là-bas. En fait, en 3 minutes, il y a peut-être moyen quand même de la réussir ce défi.
Les bestioles par ici, il y en a énormément, donc oui, c'est faisable. Du moins, on va le tenter. Merde, mon attaque est pas partie. Oh là. On va éviter de se prendre toutes les attaques d'un coup, parce que ça pique. Maintenant, ah là, malgré tout, je ne suis encore qu'à 43%. Quoi. Allez, meurs, toi. Vestige augmenté. Oh, moi, j'ai pas fait ça pour rien, étant donné que j'ai looté un objet pour une quête. Technologie sort du commun, elle a l'air dangereuse. Peut-être en servir pour pousser quelques machines Elden qui mènent. Ouais, ok. Marche pas, d'accord. C'est un plutôt pas mal ça. Ok. Même s'il faut le faire sur un à la fois parce que sinon il nous interrompt. Ah, les autres là ils ont pop donc on va retourner leur dire bonjour. Bon, en une minute, on va encore que j'en tue énormément, ça me paraît pas faisable du tout. Non, bah écoutez, là pour le défi, je crois qu'on reviendra. Hein. Bon, par contre, l'autre quête, ça, je peux la faire sans trop de problème. D'une guerre de coups. Ouais, non, j'aurais pas le temps de finir, donc on s'en fout, on va voir plus loin ce qui s'y passe. Pour autant qu'il y a des défis que je trouve vachement simples, il y en a qui sont quand même très tordus. Échec du défi. D'une guerre de coups. Voilà, c'est fait. Je réessayerai même pas maintenant, c'est gentil. Alors... Ouais. Ça prend du temps, cette petite quête. Hein. D'une guerre de coups. Bon, allez, on va encore m'en faire quelques-unes. Affaiblir quelques bestioles, enfin bestioles ou machines, c'est au choix. Ah bah voilà, c'est terminé, même pas envie de les tuer. Raconte mon lapin. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir éliminé ces machines, ces bestioles? Ok, nickel. Bon bah on va aller rendre ça pour le bouclier alors.
Bouclier en place. Alors, qu'est-ce qu'il me propose comme objet? Celui-là m'a l'air très sympa. Succès obtenu. Donc, on réfléchit pas, on le prend. Les potes sont ici. Voilà. Quelle écoute. Alors, Belle Walker est partie toute seule, sans escorte ni rien du tout. Débarrassée des animaux sauvages et trouve là d'accord. Parfois, elle est vraiment casse-pied, mais on a besoin d'elle. Ouais, ok. C'est pas loin d'ici. Oh, le bouquin que j'ai pas pris. Alors, petit coup de timing. Ouais, il nous reste encore 5 bonnes minutes pour la vidéo. Ça. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ici? Ouvrir la voie pour Belle. Ok, j'ai juste tué des caminides. Ah, mais en fait, il y en a plein ici. Et lui, tantôt, il voulait que je fasse le succès de l'autre côté. D'accord. Il me le faudra le succès. Dans la grotte là il y a quoi? Il y en a plein je suppose. Alors, où est-ce qu'on est dans la quête? Là, 45%, ça avance. 58, c'est nickel. Ok, donc il y en a un ici. Vous avez découvert ce fragment est enterré près d'un terrier de Kéminine. Ok, donc on va faire tous les terriers, on va passer tous les terriers en vue, on trouvera bien celui qui nous intéresse. Première vue, c'est pas ici. Ça a pas l'air d'être ici non plus. Donc ça en fait c'est la chasse au trésor pour la vocation explorateur. Vu qu'à première vue il y en a une ici, on va en profiter pour la faire. Donc en fait il y a un truc qui sera enterré près d'un des terriers de ces bestioles là. Je sais... Ah voilà, il est ici. Allez, hop, ça avance, pas un peu. Et... Ouais, là c'est bon, là, je suis dessus quoi. Creusé. Et voilà, on voit déjà 1 sur 2. Et par contre l'autre il se trouve 80 mètres plus loin. Lui on ira le chercher plus tard. Et voilà, quête terminée. On va aller la rendre. Monsieur le rouge. Monsieur le rouge, on l'avait tué quand même. Ou c'est avec mon autre perso? Je sais plus. Ah non, je crois que c'est mon autre perso que je l'ai vu. Oui, non, je sais plus. Belle a vraiment besoin d'aide. Alors, belle utile augmentation. Rustinique parfois un peu insensible à son ennemi. Blablabla. Fais attention, les plantes belles ont tendance à partir en vrille. Alors, ouvrir la voie pour Belle, ça c'est fait. Ouais, si tu le dis. Alors, les quêtes qu'on a, qu'est-ce qu'on a? Ouais, Papa pas limite. Toujours, la plupart des gens savent pas ce qui est bon pour eux. Ah, désolé. Mais ils croient savoir. Donc, comme je disais, vu le timing, là on en est à justement à 30 minutes pile poil. Donc, je propose qu'on prenne les quêtes quand on viendra ici. C'est quoi celle-là?
Oh, c'est pour après ça. Comme ça, on ira finir la zone ici au nord. On va regarder, mais ça, à mon avis, ça sert à rien. Ah, il y a des munitions de titanium. On n'est pas encore vu des munitions de titanium, tiens. Enfin bon, comme vous pouvez voir, on aura un mob rare à aller abattre. On a des quêtes là. Mais tout ça, on le fera au prochain épisode. Donc, bah, d'ici là, portez-vous bien, aimez, partagez. Bon, je vais pas lire à chaque fois, de toute façon. Si vous regardez mes vidéos, je suis sûrement pas le seul que vous regardez. Vous êtes très certainement d'avoir marre d'entendre ça, donc vous savez ce que vous avez à faire. Et nous, bah, on se retrouve au prochain épisode. Hein. Allez, salut tout le monde.